En septembre dernier, les fans de Mireille d'Arc avaient craint le pire. L'actrice avait été hospitalisée pour une hémorragie cérébrale. Depuis, la comédienne de 78 ans se fait très discrète. Son amie Véronique de Villèle, la star de Véronique et Davina, vient de donner de ses nouvelles. Mireille a quitté l'hôpital au bout de 4 mois. Elle est chez elle, elle se repose. Elle remercie le personnel hospitalier qui a été extraordinaire avec elle. Elle est encore trop fatiguée pour sortir. Elle regrette de ne pas être avec nous ce soir. Elle vous remercie toutes et tous, a-t-elle déclaré selon Gala lors de la soirée de l'IFRAD, la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. Des nouvelles très récentes puisque Véronique de Villèle dit lui avoir rendu visite le 29 janvier. C'est ensuite Anthony Delon qui a lu un message rédigé par Mireille d'Arc elle-même. « Chers amis, lorsque Véronique de Villèle m'a proposé il y a 6 mois d'être la marraine du 12e gala pour la recherche sur Alzheimer, j'ai accepté sans hésitation car je connaissais bien la fondation et je me sentais solidaire de son combat. Pour sortir de l'ignorance, faites un don, il en va de votre santé et de notre avenir à tous », a-t-elle écrit. Une Mireille d'Arc absente pour des raisons de santé, mais bien là par la pensée.